Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous vous les bénissons parce que nous avons une opportunité après-midi pour que nous soyons capables ensemble sur Vision d'Espoir. Pour nous garder signaux, pour nous ouvrir la Bible, l'esprit de prophétie, et pour nous écouter nous dans le cadre de la chronologie prophétique. Aidez chacun de nous à comprendre et surtout à préparer nous. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, combattants pour la Cité Céleste, bonsoir et bienvenue sur Horloge de l'Apocalypse. Horloge de l'Apocalypse, une émission hebdomadaire qui vous est présentée sur les ondes de radio-télévision d'Espoir par votre ami, votre serviteur, pasteur Maurice Jean Rinal. Dans Horloge de l'Apocalypse, nous faisons un survol des événements courants ayant un aspect prophétique se produisant sur le territoire de la bête qui monte de la mer, sur le territoire de la bête qui monte de la terre et sur le territoire de l'Église du reste. Mes chers amis, frères et sœurs, bien-aimés, vous tous qui nous écoutez à travers le monde, je vous salue tous et je vous dis tous bienvenue à cette nouvelle édition d'Horloge de l'Apocalypse. Pour commencer avec cette édition d'Horloge de l'Apocalypse, je voudrais présenter un éditorial à partir d'une pièce écrite, quand je dis d'une pièce, d'un document, d'un article écrit par Jérusalem Post. Oui, Jérusalem Post qui a publié ce document le 24 août 2022. Et dans ce document, le titre du document, c'est « Dieu punit-il les États-Unis d'Amérique ?» Dieu punit-il les États-Unis d'Amérique sous la plume de Sherwin Pomerantz le 24 août dans Jérusalem Post. Ce que nous lisons est ceci. Dieu punit-il les États-Unis d'Amérique? J'ai du mal à croire que la série de fléaux qui s'est abattue sur les États-Unis d'Amérique ces derniers temps ne fait pas partie d'un quelconque plan divin. Le pays est au milieu d'une guerre civile, même si pour l'instant, les deux camps n'ont pas pris les armes. Début juillet, il y a eu plus de 300 fusillades de masse aux États-Unis cette année, soit le nombre le plus élevé de tous les pays du monde. En moyenne, les États-Unis connaissent moins de 1500 tornades par an. En juin, 940 tornades ont déjà été signalées. Ce qui signifie que notre pays est en passe d'en voir 2000 ou plus, soit une augmentation de 33% par rapport à l'année précédente. Dans l'Ouest, une longue période de sécheresse a asséché les réservoirs et provoqué des feux de forêt massifs. Ajoutez à cela la situation des sans-abri, où rien qu'en Californie, on compte plus de 161 000 sans-abri. Juste derrière la Californie se trouve New York avec 91 000 sans-abri, dont un grand pourcentage dort en fait dans la rue. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, ils l'ont dit dans Grande Controverse 589.3, aujourd'hui encore, Satan est à l'œuvre dans des accidents et des calamités sur mer et sur terre, dans de grandes conflagrations, dans de violentes tornades et de terribles tempêtes de grêle, dans des tempêtes, des inondations, des cyclones, des raz-de-marée et des tremblements de terre. En tout lieu et sous mille formes, Satan exerce son pouvoir. Il balaie la moisson mûre et la famine et la détresse suivent. Il transmet à l'air une odeur mortelle et des milliers de personnes
périssent par la peste. Ces visites sont appelées à devenir de plus en plus fréquentes et désastreuses. Nous continuons avec la pièce de Jérusalem Post, Dieu punit-il les États-Unis d'Amérique. Cependant, dans l'histoire de l'après-guerre civile, les États-Unis n'ont jamais été aussi brisés. Tant de choses semblent aller de travers simultanément. C'est presque comme si Dieu exprimait maintenant son mécontentement à l'égard de son serviteur, les États-Unis, dans la direction qu'il a prise. Toutefois, si l'on admet qu'il s'agit peut-être d'une manifestation de la déception de Dieu à l'égard des États-Unis, la nation devrait peut-être se tourner vers Dieu et prier pour un retour à la normale. Le résultat, le temps s'est éclairci pendant les 6 jours suivants et les forces alliées de Patton ont été victorieuses. Peut-être le temps est-il venu pour tout le monde d'enterrer le cynisme et de regarder vers le haut. Voici donc cette pièce de Jérusalem Post qui se pose la question: Dieu est-il en train de punir les États-Unis d'Amérique par ce crise sous crise ou sous trois tableaux à la, ça que le présenter, crise sur crise. Maintenant, il y a aussi un piège dans cet article. Le piège, c'est que ne faut-il pas revenir à Dieu? Oui, Dieu demande de revenir à lui, mais revenir à Dieu dans le contexte américain, en tant que la bête qui monte de la terre, c'est l'union de l'Église et de l'État. Oui, c'est l'union de l'Église et de l'État. Et comme il est dit dans Tragédie des siècles, dans Great Controversy 590.1, on déclarera que les hommes offensent Dieu en violant le sabbat du dimanche, que c'est la violation du sabbat du dimanche qui entraîne les calamités et que ces calamités ne vont pas cesser jusqu'à ce que le dimanche soit strictement imposé. Ainsi, on portera l'accusation sur les serviteurs de Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami, auditeur, auditrice, téléspectateur et téléspectatrice, moi je voulais qu'on comprenne aujourd'hui que Satan est dans les accidents, il est dans les calamités sur mer et sur terre, il est dans de grandes flagrations, dans des violentes tornades. Tout ça qui a privé la Zamim, eh bien c'est Satan qui a battu pour le mettre fin avant l'œuvre même en descendant 44 000. Oui, on déclarera que les hommes offensent Dieu en violant le sabbat du dimanche et que ce péché a entraîné des calamités qui ne cesseront que lorsque l'observation du dimanche sera strictement imposée. Mon ami, c'est le danger et le piège de cet article. Nous allons prendre une pause, nous allons revenir dans quelques instants. Chers amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, je vous salue tous, vous tous qui nous écoutez à travers le monde. Avec vous, votre ami, votre frère, pasteur Maurice Jean Rinal, dans la première édition de l'émission Horloge de l'Apocalypse pour ce mois de septembre. On a passé dans la première partie émission Noir. Première partie émission Noir a présenté nous les signes divers du retour de Jésus-Christ tel que décrit dans Matthieu 24, tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse. Mais rappelez-vous ce qui a été dit par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 5, verset 30. En ce jour, il y aura
près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité. Zamim, Fremsem, auditeur, auditrice, il est dit dans Ésaïe 5, verset 30, que Abgayon mugissement, tant qu'il y a une tempête qui est sous la mer. Et lorsqu'on regarde Théa, ou après seulement fait noir, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, fait noir, après nier. Zamim, Fremsem, auditeur, auditrice, voici donc les nouvelles en bref qui accomplissent cette prophétie d'Ésaïe, répétée aussi par Jésus dans Matthieu 24. Oui, Premier ministre belge là, lui prévient que les 5-10 prochaines années seront difficiles alors que la crise énergétique s'aggrave. Alexander de Croo a peut-être vendu la mèche sur la durée de la crise énergétique en Europe. Le Premier ministre belge là, il fait connaître que la crise ça a duré pratiquement 5 à 10 ans parce que il dit ça ouais commencé là, il poko a fini, la paix durée pendant 5 à 10 hivers. Et gagner un hiver par année, ça veut dire, un même jeudi, crise ça a fini de 5 à 10 ans. Dans 5 à 10 ans. Ça, c'est le premier ministre belge là qui dit ça. En pile chrétien pourtant, dit pas gagner là, pas gagner signe là. Mais voici le monde, voici les païens, voici les autorités qui ont même à créer crise. Un ben, yo dit ça là pour 5 à 10 ans. Même Jean-Tou, Emmanuel Macron, le président de la France, a même monsieur fait une déclaration tremblement de terre. Et dans la déclaration, ça, monsieur dit, nous commençons avec un règne. Et règne, ça l'irrelé, la fin de l'abondance. Que question abondance, là, finie. Ça veut dire, bon Dieu permette que lorsque même nous prêchons, un sujet, tant que nous prêchons, époque Pharaon, époque Joseph, là, cette année de Valgré. De vache maigre et cette année de vache grasse là, eh bien c'est ça oui que Macron lui-même lui répétait là, lui dit abondance là, fini. Lui dit ça n'a vive là, son point de basculement majeur. Lui dit ça va vivre dans le monde là, c'est un grand bouleversement. Adventiste dit non, c'est pas vrai. Nous vivons la fin. Oui, nous vivons la fin de ça qui te paraît tant qu'il y a une ère d'abondance. Lui dit la fin d'abondance de produits, de technologies. Ça veut dire produit technologie, ou même nous pas joindre yo encore la fin de l'abondance des terres, la fin de l'abondance des matériaux, y compris aussi la fin de l'eau, a-t-il déclaré. Monsieur Macron a déclaré que la France et les Français avaient le sentiment de vivre une série de crises plus graves les unes que les autres. Mon ami, mon frère, ma soeur, auditeur et auditrice, voici les dirigeants politiques qui annonçaient que bon crise majeure, abondance là fini, les années qui viennent, 5 à 10 ans qu'ap venir là yo, c'est année de vache maigre. Ça veut dire, Zamim, Fremsem, moi m'avais comme chrétien, nous gain pour nous faire préparation spirituelle, mais faut nous faire préparation matérielle, tous Zamim, pour que nous capables faire face à situation ça qui devant nous. D'après Sky News, des millions de personnes verront leur facture d'énergie grimper en flèche avec le relèvement du plafond des prix à 3 549 €. Oui, nous sommes en Europe, 3 549 €, c'est comme on va le payer par mois, oui, pour bill électrique, aux amis. Mais nous regardons d'après Arti. Question mort. Les Allemands sont avertis de la pénurie de papier toilette. Tout songez, et dans la crise sanitaire, dans la COVID, là, c'était même bagarre là. Et songez, nous avons COVID là, c'est un dress rehearsal, son exercice de répétition, son projet pilote pour projet loi dimanche là. Eh bien, c'est dans ça, nous y est là. Eh bien, pas de papier toilette en Allemagne pour nous servir. Toujours nouvelle prophétique en bref. Les Allemands devaient utiliser
utiliser des gants de toilette au lieu de prendre des douches aussi souvent, déclare le premier ministre régional allemand du parti des Verts. Oui, eh bien, Allemand, yo doué utiliser des gants. Eh bien, les noms dit gants, yo doué utiliser des serviettes mouillées. Oui, yo doué utiliser des serviettes mouillées pour yo passer sous corps, yo, parce que yo pas capable de baigner. Chaque jour, Jean yo pensé que yo. Jean yo te kon fait longtemps. Hein? Président Macron, guérison, l'elle dit c'est la fin de l'abondance même de l'eau. D'après Sky News, toujours, amis. Oui, oh non, nous te présenté ça déjà. D'après Scottish, alors c'est Scotland, des manifestants en Écosse, brûlent des factures d'énergie en signe de protestation. Moun kap manifestant en Écosse eux-mêmes, yo prend tout bilio et puis yo vin boule yo nan manifestation. Coup la via qui trop raide. Toujours nouvelle en bref, nouvelle prophétique en bref. Une grave sécheresse en Europe révèle des navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale coulés sur le Danube. Est-ce qu'on connaît, amis? Oui, est-ce qu'on connaît que à cause de sécheresse là, eh ben des navires de guerre qui étaient coulés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, sécheresse là fait que yo wè yo parce que toute l'eau séchée et puis yo wè yo. Zanmim frèm sèm, c'est pas ti cause non k'a parlé là. D'après journal The Guardian. Oui, qui ça gagne? Eh ben les pierres de la faim, épaves et ossements. La sécheresse en Europe fait remonter le surface. Qui ça? Pierre de la faim, épave et ossement. La sécheresse en Europe fait remonter le passé à la surface. Eh bien, ouais, ossement, hein, pierre de la faim, eh bien, toute bagaille yo qui était en bas de l'eau ou bien en bas de terre, eh bien, yo tout y a fait paraître parce que gagne sécheresse. Est-ce qu'on connaît que l'autre bagaille qui raide, bon, c'est comme ça, auteur titré. Dans Voice of America, le jardin d'Éden de l'Irak ressemble désormais à un désert. Alors, bon, dit l'autre gens, côté de vous pensez qu'il était jardin, que le jardin d'Éden en Irak, eh bien, qu'on y a, l'étonnant, qui ça, y a un désert. D'après CNN, la sécheresse sévit dans tout le Massachusetts, alors que les conditions de sécheresse s'étendent de façon alarmante dans le nord-est. Eh bien, ça veut dire ça, la sécheresse dans le nord-est, eh bien, Boston, Massachusetts, tout état, eh bien, en général, nous-mêmes haïtiens, nous juste dit Boston, eh bien, Boston, Massachusetts, nord-est en général, sécheresse envahie. Toujours d'après CNN, les agriculteurs américains tuent leur propre culture et vendent leurs vaches à cause de la sécheresse extrême. 18 août là, CNN fait nous connaître, moun ki kon a planté aux États-Unis, eh bien, ils sont obligés. Tuer culture là, net, boule yo, coupe yo, et obligé vendre bœuf que yo gagne, parce que yo pas qu'à joindre manger pour yo ba bœuf yo, et bœuf yo ap mourir, yo obligé vendre yo. Zanmim frèm sèm, ça qui a passé dans le monde là comme ça, c'est en pile bagay. Jésus t'a annoncé nous ça yo, dans Matthieu 24. D'après CBS News, selon l'ONU, les inondations meurtrières au Pakistan sont un avertissement pour que le monde cesse de somnoler vers le destin du changement climatique. Eh bien oui, nous connaissons une grosse inondation en Pakistan qui fait plus que 1000 morts déjà. Eh bien l'ONU dit, eh bien bagaille ça, c'est un avertissement pour que le monde n'a pas dormi vers le destin du changement climatique. Et moi-même, si l'ONU,
a dit que son avertissement pour le monde pas dormi, moi-même, pasteur Maurice Jean Rénal et Vision d'Espoir, n'a dit c'est un avertissement pour que chrétiens n'ont pas dormi, spécialement les adventistes du septième jour, pour que n'ont pas dormi. Pour l'ONU, c'est vers le destin du changement climatique, mais pour moi-même, c'est vers le destin du grand S de la loi du dimanche et de la marque de la bête. Oui, amis, moi, nous toujours, dans la nouvelle, en bref, nous capables que bagayo mauvais en pile, sauteille. Dans Review and Herald, 7 juin 1887, paragraphe 13, nous lire. Qui ça nous lit, amis? Quatre anges puissants retiennent encore les quatre vents de la terre. La destruction terrible est interdite pour venir en entier. Les accidents sur terre et sur mer, les pertes de vie humaine en augmentation constante par la tempête, par l'orage, par le désastre des chemins de fer, par la conflagration, les terribles inondations, les tremblements de terre et les vents exciteront les nations à un combat mortel, tandis que les anges retiennent les quatre vents, empêchant la terrible puissance de Satan de s'exercer dans sa fureur, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés dans leur front. Elle m'a dit, ça n'a pas gardé là, c'est beaucoup en rien, parce que ange destructeur, il a toujours qu'un vent, jusqu'à ce que serviteur bon Dieu soit capable de sceller. Mais je ne vois pas là, les vents seront relâchés très, très, très bientôt, et même les chefs d'État du monde, les abgadi bagay là, même que yo même tout yo la donne, que yo créé, eh bien, yo dit que l'air, nous pourrons gagner un nouvel air, abondance là, fini pendant les 5 à 10 prochaines années. Nous toujours abgadi zamim, l'accomplissement de la prophétie de Matthieu 24 de Jésus qui te dit abgadi des signes divers. Tout partout dans le monde. D'après Breitbart News, la France va injecter 1,5 milliard d'euros supplémentaires dans le programme écologique malgré la crise du coût de la vie. Le président Emmanuel Macron a même fait allusion à une possible agitation publique alors que son pays entre dans la fin de l'abondance. Oui, président Emmanuel Macron, eh bien, vous mettez 1,5 milliard d'euros supplémentaires dans le programme vert là, dans le programme climatique là, bien que ça vienne faire la vie à picher, et l'Igetan connaît que le programme climatique ça, l'a créé crise plus dans le pays là, et ça fait l'Igetan parler qu'il y a une agitation publique, qu'il y a une agitation politique pour le président, qui a dit ça l'a fait là, qu'il y a une agitation publique, qu'il y a un soulèvement populaire, parce que pas de abondance encore, puis il a fini. D'après Delicos, l'équivalent d'une baisse des émissions de COVID est nécessaire tous les 2 ans, selon une étude. Eh bien, scientifiques qui font étude, yo, ouais, ça qui t'est passé dans le COVID là, qui t'est venu faire que l'émission t'est baissée, chaleur, gaz carbonique dans la nature a été baissé qui fait changement climatique là, eh bien, ils ont dit, ils ont même recommandé pour que chaque 2 ans, gagne un lockdown. Est-ce que ça veut dire 2 ans liberté, et puis 1 an fermé, ça même c'est gros causé, eh bien, 1 an tout pour nous aider la caillou, 2 ans. Zamim, et pas de crise, non, n'a pas entré la donne là. C'est gros crise, mais pas oublier. Tout ça, yo, gepoué, avec pique gros nouvelle, moi, t'es bon matin, hein, et que m'pral retourner sous lit. Encore jodi, hein, cette question de retour au Sinaï, la repent une cérémonie de repentance climatique. Moi, m'pral tourner sous lit encore, Zamim, pour m'bon plus d'informations, parce que songer, c'est institut, et délit interreligieux, délit qui vini avec Bagala songe, te gagné famine dans ta Élie qui te conduit à la persécution. Délit, donc famine so ouè la, crise so ouè la, et ben li poil conduit à la persécution des enfants de Dieu, des fidèles adventistes du septième jour, des fidèles protestants qui embrassent la vérité, des fidèles même catholiques qui ou même qui poil d'accord sauti dans Babylone. Et ben lockdown, confinement au doudou.
bail chaque 2 ans pour yoé si a sauvé terre et au connaît big confinement que yo prévoit son confinement chaque dimanche d'après Gateway Pundit. Malgré la récession et une inflation record, le secrétaire d'État à l'énergie aux États-Unis de M. Biden a annoncé « Nous appuyons sur l'accélérateur pour passer à l'énergie propre. » Qui ça a dit? « N'a appuyé, n'a mettez pied nous, n'a pesé gaz là, voilà. N'a pesé gaz là pour nous passer à l'énergie propre malgré gagner récession aux États-Unis. » Eh bien, amis, ou déjà connaît ces programmes d'énergie verte pour protéger le climat, eh bien, il y a des conséquences aussi de la vie chère, il y a des conséquences sur le fonctionnement de l'humanité. Brit Bad News fait nous connaître que l'hiver du mécontentement, le chef d'un syndicat britannique évoque la possibilité d'émeutes liées à la crise du coût de la vie. Eh bien, mon cher, pour le pile mécontentement là, en Angleterre, chef syndicat dit, eh bien, mon ami, pour le émeute, parce que la vie a trop cher, personne, pas qu'à kembe, eh bien, chef religieux dit, pas gagné là, pas gagné là, adventiste dit, pas gagné là. C'est le même qui dit, pas gagné là. Chef yo dit, pas gagné là. Politicien yo dit, gagné. The church. News plus life. L'âge des ténèbres. C'est ça, oui, titre là. L'âge des ténèbres. Des millions d'Américains n'ont plus les moyens de payer leurs factures d'électricité. Des millions d'Américains pas capables de payer factures d'électricité. Tellement on dit, on va dire, on va tomber dans l'âge des ténèbres. Côté pas de lumière du tout, du tout, du tout. D'après Time, oui, Jackson, Mississippi n'a pas d'eau du robinet potable dans un avenir prévisible. C'est une crise qui dure depuis des décennies. Eh bien, mes amis, il y a un problème de l'eau, pas de l'eau du tout dans le robinet. À Jackson, en Mississippi, pas de l'eau du tout. D'après Bloomberg News, la Californie déclare l'état d'urgence du réseau électrique et annonce des pannes de courant. Californie déclarée état d'urgence pour question réseau électrique, 31 août là, et lui annoncé plusieurs pannes, série de pannes d'électricité. D'après Severe Weather Europe, un refroidissement important de la stratosphère est actuellement observé dans l'hémisphère sud à la suite d'une injection massive de vapeur d'eau. Est-ce que ça veut les disamim? Les poils pifèrent fret dans l'hiver sa cap venir là? C'est ça que ça semblait. Eh bien, à suivre. Toujours d'après Bloomberg News, un tsunami de coupures électriques. 20 millions de foyers américains sont en retard sur leurs factures d'énergie. 20 millions de foyers américains en retard dans le pays bill courant. Au Congo aux États-Unis, depuis les arrivées pour le bill courant, il y a un petit délai, temps passé, et bien, il y a coupé courant. C'est gros cause. Toujours les nouvelles prophétiques en bref. En Australie, amis, en Australie, la Banque d'Australie va annuler les prêts pour les voitures à moteur à combustion d'ici 2025 pour forcer la transition vers les véhicules électriques. Eh bien, ça qui arrive là, c'est que Banque Australie décidait, eh bien, il n'y a pas prêté mon argent encore pour acheter machine qui servit avec gaz à partir de 2025. Ça veut dire dans 3 ans encore, comme 2022 presque fini, donc c'était 2023-2024, on dit dans 2 ans et demi encore, eh bien, question pour mon courir machine, acheter machine qui servit avec gaz. Ça a fini en Australie, pas de mortgage sous machine encore, nous comprenons, hein? Pas de l'autre sous machine encore, pour une banque a prêté au cop pour acheter machine. Désormais, celle qu'on a prêté, c'est pour acheter machine
électrique. D'après ABC News, non, NBC, oui, goodbye gasoline cars, adieu les voitures à essence. Les législateurs de l'Union européenne votent l'interdiction de nouvelles ventes de voitures à essence à partir de 2035. Eh bien, yo même yo dos, dans environ 12 ans, yo pas vendre du tout machine qui servit à gaz, c'est seulement machine électrique que y a vendre dans toute l'Union européenne. Yo fait que votons loi pour ça, pas oublier ça même. Toute bagaille ça yo, c'est pour y arriver à qui ça, à limiter la liberté de déplacement des gens et pour y capable bien renforcer la loi du dimanche, la marque de la bête. Aux États-Unis, Fox News fait nous connaître que programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire, là, c'est un bagaille qu'on baille, un petit cat électronique qui permet que le monde qui a un problème manger, il est capable d'acheter manger. Bien, des millions de personnes pas capables d'utiliser 4 dans les magasins parce que tu n'as pas de système. Non. Vous comprenez, ça veut dire, Zamim, tu as. Oui, Zamim, vous comprenez, ça veut dire, tu n'as pas de système non, qui fait que tu n'as pas utiliser. Qu'on y a là, mettez ça dans la réalité, loi dimanche et Macbeth là, lorsque toute bagaille vient électronique, Zamim, monnaie électronique, achat électronique, eh bien, on panne, tout le monde va manger. Vous pouvez comprendre. Zamim, comment ça pourra arriver, et même si pas de panne, si vous voulez bloquer, eh bien, car on panne spécialement pour vous. D'après My London, crise de coût de la vie, l'Islande propose des prêts de 100 euros aux clients qui ont du mal à payer leurs factures alimentaires. L'Islande, lui-même, lui dit, pays a dit, eh bien nous-mêmes, eh ben, alors du moins, et magasin Islande là, lui dit lui-même, lui prêt pour que le capable à proposer des prêts de 100 euros à tout client qui a du mal à payer leur facture alimentaire. Mes amis, Jésus te dit ça, oui, dans Luc 21, verset 25-26, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Zamim, Fremzem, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien, moi et Marvel, nous sommes capables de comprendre, bagayo pas facile du tout sous terre, bagayo a compliqué chaque jour, mais moi-même Marvel, quand étudie la prophétie biblique, eh bien, nous, ouais, que c'est le nom qui presque rivé. Mes amis, moi je vais retourner qu'on y a là avec monnaie électronique là et après ça, amis, moi je vais rentrer dans un dossier important, très très important. Bon, moi je vais aller breaking news. Attention, nouvelle prophétique, retour au Sinaï, cérémonie de repentance climatique, loi du dimanche, qu'est-ce que ça? 13 novembre 2022, yon pas géant à fête de l'universalité, de la quête de l'universalité, de l'observation du dimanche. Ma propose, Zamim, ma retourner dans un petit moment.
Chers amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, combattants pour la Cité Céleste, avec vous, votre ami, votre frère, pasteur Maurice Jean Rénal, dans Horloge de l'Apocalypse. Pour nous-mêmes qui venons en retard, moi saluons au nom de Jésus, nous tous captandim à travers le monde et à travers Haïti. Zamim Fremsem, Horloge ça, son horloge spécial, m'a demandé pour relons amis d'il vin tende, reste horloge ça, parce que c'est gros cause, Zamim, la fait vivre tout bon, vrai. Jésus permette que les prédications des sentinelles capables de produire des effets et les confirmer leurs prédications à partir de décision qu'apprend dans le monde là, qui montrait que c'est Dieu qui contrôle le mouvement actuel des sentinelles pour raviver la flamme du message des trois anges de la vérité présente et pour retourner aux anciens sentiers, aux anciennes prédications de l'Église adventiste sur la nécessité d'une préparation agressive parce que la marque de la bête est en train d'atterrir sous nos pas. Et mes amis, m'a passé dans la troisième partie émission là, c'est signal d'alarme. Nous songez, moi j'ai dit nous ça déjà, il y a plusieurs signaux d'alarme qui montraient que Macbeth là sous nous. Premier signal d'alarme là, c'est la bête aux cornes d'agneau qui est pour le palais, t'as couillon dragon. Deuxième là, c'est guérison de la blessure mortelle, ça veut dire la papauté qui prend promotion, qui prend rayonnement et contrôle le monde là un peu plus. Troisièmement, c'est la formation de l'image de la bête, ça veut dire l'Église avec l'État qui font seul, ou bien l'État qui a appliqué des décisions, des politiques, des doctrines d'Église. Quatrièmement, une marque ou une identité digitale globale. Et dernier, une monnaie électronique mondiale. Et tout ça, c'est pour arriver qui ça? C'est pour arriver à l'adoration le jour du dimanche. Zamim Fremsem, pour le moment là, ma voile rete nan Sanourele, système commercial restreint et monnaie mondiale là, ma fontit en tout petit la donne. D'après Apocalypse 13, verset 17, nous lire, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Personne n'est pas capable ni acheter ni vendre. Ça veut dire qu'on restriction à acheter ni vendre. Qu'on restriction dans le système commercial là. Et comment il est capable de faire ça? Il est capable de faire avec la monnaie mondiale. Parce que si il y a l'argent liquide, on va jamais contrôler qui côté mon nom dépenser goutte là, dépenser dollar ça, ça pas gain contrôle parce que les avec cash ou payer. Et ça fait puisque yo poil fait en sorte que personne monde pas qu'à acheter ou bien vendre sans yo pas gain Macbeth là, faut que yo gagne un système. Mais ça bien, c'est pas l'argent même monnaie mondiale là même qui Macbeth là, monnaie mondiale là, c'est ça qui permet que yo empêcher moun acheter ou vendre. Macbeth là, c'est raison qu'a fait yo empêcher ou acheter ou vendre. Est-ce que vous bien comprendre ça me dit là, zami moi. Donc la monnaie mondiale, la monnaie électronique n'est pas la marque de la bête, mais c'est le système de renforcement de la marque de la bête qui permet que yo contrôler acheter avec vendre pour bête là. Eh bien, on va aller dans la monnaie mondiale, la zamim, dans la monnaie électronique, là, et c'est lui-même qu'il a appliqué tout partout. Zamim, Fremsem, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, eh bien, on croit que ça, c'est Trinidad, République Bank, Trinidad, eh bien, au dos, programme là. Et monnaie, c'est NK, c'est une application, oui, qui permet que vous capable de fonctionner sans vous payer l'argent liquide qui côté au Trinidad, qui soit écrit là, payer avec téléphone. Bienvenue dans l'expérience cashless, dans l'expérience sans l'argent. NK,
va pratiquement changer la façon dont vous envoyez, dépensez, recevez et gérez votre argent avec votre téléphone uniquement. Eh bien, amis, vous avez ça, vous avez compris ça, dans le cas de monnaie électronique, là, téléphone obligatoire. Donc, téléphone, là, tendez bien, c'est le device, c'est l'instrument électronique de la bête, le téléphone. Et ça, que moi, il faut nous commencer à détacher avec téléphone, non? Et les gens qui suivent moi, c'est dans le téléphone, ils suivent moi à travers Zoom, à travers YouTube, à travers une tablette, à travers un ordinateur, ça va le finir. Si vous n'avez pas de Macbeth là, ou pas de téléphone, non, c'est ça qui fait songer qui ça, M. Emmanuel Macron, le président de la France, ont annoncé là, il dit abondance là finit dans le domaine électronique, dans le domaine matériel électronique. Eh bien, vous avez déjà ouais ça, il n'y a qu'à bloquer SIM card là, même si vous n'avez pas bloqué SIM card là, ou pas capable d'acheter téléphone et pas oublier tout téléphone, yo, depuis vous voulez disabler là, désactiver là, yo capable de désactiver yo. Eh bien, frère, monsieur, auditeur, auditrice, moi tout profiter, ouvrir parenthèse ça, et ça crée moins quoi dans ça, l'important pour que moi m'avère, nous commencer, nous pour aller lockdown, nous commencer à prendre habitude pour nous adorer en groupe. Dans nos maisons, en petit groupe, faut nous commencer à prendre habitude de ça, parce que pas de possibilité pour nous à l'église, même encore, lorsque loi dimanche là, rivé, lorsque gen Macbeth là, pas de possibilité ça, du tout. Donc, depuis qu'on y a un même, ou pas de ou monter sur le téléphone, ou, pour capable suivre YouTube, suivre Facebook, suivre Zoom, suivre quel monde qui a fait culte, depuis ouais, Macbeth là, là, et puis on a une possibilité pour le faire culte là, eh bien, ça veut dire que le système, qu'un bisazamim, l'instrument électronique pour le renforcement de la marque de la bête, c'est votre téléphone. Aïe. Oui, c'est votre téléphone. Oui, amis, moi, frère, moi, ce moi, téléphone, non, commencez à détacher avec, ou pas capable de continuer à utiliser téléphone, non, sous pavlé, en bas, contrôle, bête là, très bientôt. Zamim, frère, sum, auditeur, auditrice. Toujours dans le website, en cash là, Trinidad, pour que le monde va utiliser cash là, du tout, en nous lire, abandonnez votre portefeuille. Mettez le boussou de côté, vous n'en aurez jamais plus besoin, pas besoin ça encore. En cash, mettez fait à cash, est plus qu'un simple portefeuille mobile. Il s'agit d'un nouveau hub de paiement numérique et social qui transforme votre smartphone en une solution de gestion de l'argent hautement sécurisée. Chargez simplement votre compte avec votre carte de crédit et vous êtes prêt à partir. Qui ça qui dit encore? Toujours dans le website, hein? Une façon plus sûre de magasiner, dépenser, envoyer, recevoir, gérer, rester en sécurité, limer, gagner du temps, soutenir les entreprises locales. Soyez payé ou remboursé par d'autres utilisateurs d'Encash à tout moment, n'importe où, en utilisant EncashMe. Trouvez votre lien EncashMe unique sur le code QR de l'application Encash ou sur le website. Allons continuer. Toujours l'agent électronique là-bas. Trinidad qui commence en même. Qui ça nous est? Eh bien, scannez le code QR. Toi à moi à toi. Transfert d'argent. Maron qui ça? Compagnie transfert d'argent et au poil fait. Dans le modèle électronique, ça. Comprenez, amis, va t'y causer, non? Son, Macron dit son bouleversement. Banque, pas besoin d'employer encore. Comment vous pouvez le faire? Comprenez ça, oui, amis, tout le monde qui a perdu du temps à l'école et dans la classe pour ennuyer, ou pas dans l'élite là, eh bien, tant perdu. Toi à moi à toi. Eh bien, même Jean-Tou m'a dit, tout le monde qui pensait que. Eh bien, il faut faire diplôme, il faut faire, vous comprenez, à l'école, vous réglez un paquet de bagages, pour vous survivre dans la société. Eh bien, ça, vous ne pouvez pas survivre encore. Je n'ai qu'à faire. Là, il y a deux classes, comme Apocalypse 13 dit, riche ou pauvre, libre ou esclave. C'est fini.
ce soit ou esclave ou bien ou parmi nèg qui en l'air et m'pa quoi moi-même avec qui c'est ti black n'a pas groupe nèg ça. Donc ou bat ou pa vle obéir à bon Dieu ou pa vle servir bon Dieu ou a dit non ba gè la fè là Jésus pourquoi tourner parce qu'on besoin fait diplôme dan, ou besoin go tit diplôme nan papi ti lou rien t'aller comme ça. Ba bon Dieu priorité en même. Oui, monnaie électronique là, argent dû, argent payé, bonne amitié, remboursez vos amis, partagez la facture du dîner, payez votre propriétaire à temps, payez l'homme à tout faire, surprenez quelqu'un, donnez à une association caritative, soutenez votre entreprise locale, mieux encore, les transferts sont gratuits pour tous sur le réseau Ncash. Envoyez, demandez et recevez de l'argent en toute transparence grâce à la fonction de transfert sécurisé. Den cash. Zamima, frère, m'sem, tout bagay sa yo, ap conduit à qui ça, c'est pour yo capable renforcer la marque de la bête, qui est l'adoration de la bête. Tout cela conduira à l'adoration de la bête, tant qu'au chapitre Macbeth la dit, chapitre 13 Apocalypse, traitant la marque de la bête, eh ben, nous voyons que c'est 5 fois qu'ils parlent de adoration. Apocalypse 16, verset 4, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Apocalypse 13, verset 4b, ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Apocalypse 13, verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Apocalypse 13, verset 12, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Apocalypse 13, verset 14, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, ça tuer zamim frère sem auditeur auditrice l'éclair pour moi-même avec que la question de la marque de la bête c'est une question d'adoration zamim frère sem auditeur auditrice moins pour rentrer dans grande partie émission ça là amène nous non mi temps l'heure m'a demandé alors que nous prenons bon pause pour qu'on relance les amis, pour qu'on partage avec tous les amis, pour nous retourner sur ça. Nous relais la cérémonie de repentance climatique que si bon Dieu pas décidé de mettre un frein dans les yeux, eh bien, amis, 13 novembre 2022, la jour fatidique dans l'histoire de l'humanité, ce sera le jour du grand appel pour tout le monde. Il y a un jour de repos universel qui côté au mont Sinaï, pendant que COP27 a fait qui côté en Égypte. Zamim, Fremsem, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, m'apprend. Yon lot, pause, m'a retourné dans un petit moment. Frèmsem, Zamim, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, c'est toujours à vers. Zamim, mon frère, pasteur Maurice Jean Rénal, dans Horloge de l'Apocalypse. Horloge de l'Apocalypse, je dis, moi, dans deuxième, mais pas deuxième, moi, dans mi-temps émission, oui, moi, au beau milieu
de l'émission, certainement dans la troisième partie émission ça. Zamim, Femsem, nous pouvons retourner sous scandale prophétique ça, qui a fait le 13 novembre, côté tous les leaders religieux du monde, pour aller fouler au pied le mont Sinaï. Le mont Sinaï, oui, s'entendez, oui. C'est mont Sinaï, côté, eh bien, il a été proclamé, il a parlé de Sabbateur déjà, il a été proclamé la loi de Dieu. Eh bien, quand on pile débat sur le lieu, il y a ce qui côté vraiment Sinaï, mes amis, frères et sœurs, ces hommes, les leaders religieux du monde, et les leaders religieux du monde, pas nécessairement chrétiens, pas nécessairement divins, ben, dit païen. Oui, idolâtres, des religions idolâtres, eh bien, ils ont tout, ils ont mis des têtes ensemble pour le faire. Qui ça? Ils dit une cérémonie de repentance climatique et il y aurait les documents que vous publiez à qui ça? Retour au Sinaï pour résoudre le problème climatique. Eh bien, vous même y a rassemblé pour vous faire une alliance avec la bête, une alliance avec le pape François, une alliance avec Vatican, une alliance avec Dragon, une alliance avec l'ennemi de Dieu et l'ennemi du Christ et l'ennemi des chrétiens. Si vous-même y a rassemblé dans moment ça, c'est moment pour moi-même avec vous, qui dit nous c'est serviteur bon Dieu, nous c'est sentinelle, nous c'est prédicateur du message des trois anges, nous c'est pasteur adventiste. Oui, parce que c'est le message adventiste, c'est moment pour nous faire ça, ça qui dit dans Psaume 50, verset 5 là. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Zamim, c'est pour nous rassembler fidèles pour bon Dieu, si là yo qui fait alliance, leur arriver pour que moi-même, avec eux, comme pasteur, comme sentinelle, comme dirigeant l'église, comme ancien, comme diacre, comme laïc, comme même l'église, pour nous prendre trompette là, pour nous jouer le sentinelle là, nous pas cap cacher bagaille yo, ba moun yo, mes amis, ou même adventiste, ou même haïtien adventiste, c'est pour lever camper, c'est pour réveiller, parce que vous avez un paquet de bagailles qui a passé dans le monde là, qui a accompli la prophétie, ce message que nous aimons et prêchons, et que nous avons prêché depuis longtemps, eh bien, l'heure est arrivée, côté la matérialisé, prophétie a accompli, et nous pas au courant de ça, c'est pour nous ouvrir les yeux, nous en même, pour nous pas comme des moutons de panurge que y a mené à la boucherie, c'est pour ouvrir les yeux, pour comprendre, mes amis, l'heure a vraiment arrivé pour que nous secouer con. Nous-mêmes qui haïtiens, la situation d'Haïti seulement, ça doit suffire pour réveiller l'église d'Haïti. Mes amis, nous connaissons ce qui passe cette semaine-là, nous connaissons ce qui passe cette semaine-là, Zamim, ou qu'à imaginer la ville, la capitale, non, pas exister presque, toute l'église est obligée de fermer. Zamim, ça seulement suffit, oui, pour que Adventiste haïtien te réveillé, puis on dit ça, c'est ce qu'il a fait. Ils sont tellement habitués avec Bagaïsaïo que, ouais, c'est normal. Même Zamim, c'est l'accomplissement de la prophétie, tout ça, qui a passé là, yo, et pour secouer nous toujours, pour nous comprendre que message vive à la campagne là, faut nous quitter Vilio, eh ben, message ça, nous devons appliquer. Eh bien, le Zamim, c'est retour au Sinaï, une repentance, une cérémonie de repentance climatique. Gardez bien, Zamim, Elijah Interfaith Institute, Institut Interreligieux d'Eli, ou bien Eli Elijah Institut Interreligieux d'Eli. Retour au Sinaï. Moi, je voulais souligner pour vous, il y aurait un appel prophétique. Ça veut dire, il connaît qu'il a joué un rôle prophétique. Ça y a fait là, ligué pour avec la prophétie, qu'il a accompli la prophétie. Est-ce qu'il a accompli la prophétie dans le sens divin ou dans le sens du dragon? Eh bien, même, c'est beaucoup de dragons, vous voyez, ou poil, ouais, encore pour qui ça? Samim,
Aujourd'hui, sur cérémonie de repentance climatique qui a fait en parallèle avec COP27. Là, COP27, là, c'est conférence des parties sous question climat. C'est conférence des Nations Unies sur le climat. COP27 qui a fait du 6 au 18 novembre 2022 qui côté en Égypte. En Égypte, sur la péninsule de Sinaï, en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Eh bien, ça qu'il dit là, c'est que toute communauté religieuse, toute chef religieux dans le monde là, eh bien, y a un rôle clé pour jouer dans la lutte contre le changement climatique et la justice climatique. Vous êtes capable de soutenir, mettre au défaut et inspirer les discussions lors de la COP27. Et d'un coup, les rois font croisade. On dit croisade, bon, comprenez, donc campagne évangélique, et puis diacre réunis à prier pour vous, yon bon, et puis vous même, moi, fait bagaille politique, et bien, c'est tant que tout, les peuples arrêtent en bas, et puis Moïse monte dans Mont Sinaï, et bien, son contrefaçon, amis, même j'ai imité le retour de Christ, et bien, c'est même bagaille là, il a fait, il dit, il est arrivé, puis il est venu avec une solution pour l'humanité, et qui côté, il pourra venir avec solution ça, lancer appel pour solution ça, eh bien, c'est Mont Sinaï. Qui ça y dit? Un week-end se tiendra au Mont Sinaï et sera un événement bouleversant, transformateur et un moment d'inspiration pour les communautés religieuses et pour l'humanité. On dit dans le week-end 13 novembre, là, regardez donc, le programme a commencé du 6 la fin 18 novembre, mais dimanche, cap 13 novembre, eh bien, il a pour aller dans Mont Sinaï, il a dit clair, c'est pour faire un événement bouleversant. Ça a bouleversé toute bagaille. Ça veut dire un événement bouleversant, amis. Toute bagaille bouleversée. Il y a un élément, il y a un événement transformateur. Ça veut dire, il a transformé, le monde l'a transformé, religion a transformé dans le jour. Et un moment d'inspiration. Ça veut dire pour les communautés religieuses et pour l'humanité, pour toute religion et l'humanité, ouais que, eh ben, mes amis, il faut y'a suivre yo. Ça même, c'est pas t'y cause, non? Bagaye ça, c'est pas t'y cause. Qui côté ou pas le ça? C'est sous montagne Sinaï, côté que bon Dieu te baille Moïse, les 10 commandements qui étaient écrits du droit de Dieu, côté bon Dieu te signé une alliance avec le peuple Israël. Là, nous continuons encore, document ça, amis. Jamais auparavant, une telle cérémonie interreligieuse de repentance climatique n'a jamais été entreprise. Le dimanche 13 novembre, pour qui ça, c'est pas vendredi. Pour qui ça, c'est pas samedi. Pour qui ça, c'est pas jeudi, c'est dimanche. Et bon, déjà comme ça, Nations Unies, il y a un jour officiel repos pour toute activité, comme nous avons fait la COP26 là, c'est dimanche qui joue de repos dans Nations Unies. Les chefs religieux retourneront au Mont Sinaï. Ça veut dire que bien, il y a avec monsieur politicien, yo. Là encore qui sont ouais, c'est l'image de la bête, l'église avec l'État. Il y a en Égypte, oui, avec politicien, yo. Et puis dimanche 13, il y a monté dans Sinaï. Gardez qui ça dit. Sinaï, c'est un lieu où l'on se tourne vers Dieu et l'on reçoit son message. Un appel prophétique interreligieux à l'action, la justice climatique, 10 commandements universels, retour au Sinaï, est un événement organisé par des chefs religieux du monde entier. Eh bien, peut-être Kagé, président de la conférence générale, Macron, si M. Abla, puisque son bail va aller de 10 commandements, peut-être on est capable de dire, bon, Adventiste capable là, Ted Wilson capable là, et Mac Finley capable là. Eh bien, amis, moi, pas quoi, monsieur Abla, parce que si vous avez allé, son bagage est trop clair, même si c'est à sous-rubrique 10 commandements, mais amis, ce n'est pas 10 commandements pas maintenant, ce n'est pas 10 commandements pas bon Dieu, ya, c'est 10 commandements pas, ya, parce que vous dites son lieu, côté moun retourner vers Dieu pour recevoir un message de Dieu. Qui est-ce qui t'est tourné vers Dieu? C'était Moïse qui t'est tourné vers Dieu. Pour qui ça? Pour jouer le message pour le peuple de Dieu. Jean peuple bon Dieu doit vivre. Maintenant, eux-mêmes, ils ont dit que, eh ben, ils ont pas lancé qui ça, ils ont appel prophétique interreligieux.
Message Bayoa, gardez bien, ce n'est pas les 10 commandements de Dieu, mais c'est le message œcuménique à l'action. Oui, un appel prophétique interreligieux à l'action. C'est pour poser action. Ça veut dire que ce n'est pas parler pour y parler encore, ce n'est pas un article pour y parler encore, ce n'est pas bagaille pour y seulement signer. Qu'on y a, c'est pour y dire oui. C'est pour tout le monde reposer. Dimanche, c'est ça y a peine là. Regardez bien, ils ont dit 10 commandements universels. Ça veut dire, ils ont estimé, et c'est ça, ils ont toujours dit nous-mêmes, il y a 26e jour, pour ne pas observer le sabbat, ils ont dit 10 commandements, c'est pour les juifs. Comprendre, Zamim, la supercherie, la grande contrefaçon, eh bien, ils ont même, ils ont pas venir à 10 commandements universels. Et qui, Jean, y a fait le vina universel, vraiment? Sem, auditeur, auditrice, c'est lorsque, eh bien, il y avait retiré celle ça y a dit qu'il faut juif là, la donne, et puis pour y faire le tout, hein, universel, ça m'a vraiment, sem, auditeur, auditrice. Maintenant, tout ça y a fait là, c'est pour y qui ça, c'est pour y faire un rayonnement, pour y augmenter, mal dit, c'est pour y contribuer à la guérison de la blessure mortelle. Parce que alors que Moïse te recevoir message dans mon Sinaï de Dieu, eh bien, yo même, yo recevoir leur message du pape. Songez les messieurs dit, n'a pas retourné en Égypte, faut nous choisir un chef, c'est le leader religieux du monde, y a pour yo dit, y a retourné au Sinaï, mais en fait, c'est en Égypte, y a retourné avec nous, et yo poil choisi tout, yon nan yo comme chef religieux. Sur Apocalypse 13, verset 12, qui ça lui dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça veut dire, monsieur, il a contribué dans la guérison de la blessure mortelle de la papauté, parce que ce message de repentance climatique, de 10 commandements universels, il va recevoir l'autre côté, Zamim, il va recevoir ce message du chef du Vatican, du chef de Rome, de la papauté, du chef de l'Église catholique. Et nous te voyons ça matin, dans l'article Vatican News, qui est pour titre un doux chant de louange pour la création est devenu un plaidoyer angoissé qui était sorti 21 juillet 2022 là, eh bien, c'est pape là qui t'est lancé un appel. Le pape François appelle à une alliance entre les personnes et l'environnement. Et bien, ça va, ouais? Pape François, demander une alliance entre les personnes et, les, et l'environnement. Deuxièmement, qui l'a demandé alliance? Pour alliance, ça fait, il dit la COP 27 sur le changement climatique en Égypte en novembre représente la prochaine occasion pour tous de se joindre à la promotion de la mise en œuvre effective de l'ICAO de Paris. Nous devons nous repentir. En sorte que, frères et sœurs, ce retour au Sinaï pour la cérémonie de repentance climatique, c'est la réponse de toutes les églises et religions du monde à l'appel du pape qui lui-même te dit, c'est pour nous prendre occasion, COP 27 là, pour sa fête, nous devons repentir, nous devons alliance entre les personnes et l'environnement. Et bien, si on repentance climatique, ça veut dire qu'on péché climatique, qui ça qui péché climatique là, eh bien, c'est la violation. C'est pour les gens ne pas reposer le dimanche. Et ça fait pas là, ils font appel pour la conversion climatique, la conversion écologique, que même lui-même lui définit comme ça. La conversion écologique, c'est arriver à une solution durable et efficace au changement climatique. Il faut un cadre réglementaire mondial ou gouvernance mondiale, dit commandement universel. La conversion écologique, c'est aussi gérer le temps différemment. Il faut redécouvrir le rythme du temps, l'alternance entre travail et repos, avec le dimanche comme jour de repos hebdomadaire communément partagé. Repentance climatique
Vle di, nous avons une gouvernance mondiale, un nouvel ordre mondial, loi mondiale, du commandement mondial, pour un repos du dimanche mondial. Et c'est ça qu'a réglé là, et pendant sa poêle fête là, eh bien, d'après Catholic News Agency, on rencontre que le pape là a fait, il y a le consistoire, 197 cardinals qui, ensemble, avec pape là, qui a discuté. Qui ça y a discuté? Il a dit c'est sous constitution, après ça, tout le bagage secret. D'après Catholic News Agency. 197 cardinaux se réunissent à huis clos, en porte fermée. Et même Catholic News Agency m'a demandé de quoi parle-t-on. Eh bien, on dit son secret. Oui, même propre Catholic News Agency, on dit, eh bien, il n'y a pas qu'on est vraiment de qui ça. Il a parlé pendant que. Est-ce qu'il a parlé seulement de la nouvelle constitution? Est-ce qu'il a parlé tout de pape là qui va le droit pouvoir? Qui prend le président monde là, ou bien comme il a fait bruit courir, pape là qui t'a voulait démissionner, ou pour remplacer le peut-être par l'autre d'ailleurs, est-ce que ça t'a voulait dire que c'est préparé, monsieur, préparé pour la monnaie électronique, la monnaie mondiale, puisque pape l'a demandé pour tout l'argent liquide cash qui dans l'institution l'église, pour tout y'a entré dans la banque Vatican, peut-être pour la monnaie électronique, est-ce que c'est gouvernement mondial là que nous avons formé nouvelle orientation pour l'Albaye, puisque que le pape lui-même, c'est lui-même qui va le faire contrôle tout le bagage. D'ailleurs, où elle m'a dit une alliance, eh bien, même Catholic News Agency, même lui-même, lui pas connaît. Est-ce que c'est qui ça va le faire après cérémonie de consécration climat, de repentance climatique là, qu'a fait sous Sinaï, qui j'ai au même yo répondre pour yo faire ça appliquer totalement dans le monde, zamim, fremsem, auditeur, auditrice, jouette la marée, un appel prophétique interreligieux à l'action, la justice climatique, 10 commandements universels. Retour au Sinaï est un événement organisé par des chefs religieux du monde entier. Eh bien, il a toujours dit commandement c'est pour juifs, la loi abolie, la loi c'est pour juifs, sabbat abolie, sabbat pour juifs, yo d'accord pas voler, yo d'accord pas mentir, seul problème yo gagne, c'est quatrième commandement, eh bien, attendez bien, yo dit c'est pour juifs, eh bien, si yo dit yo pral bay 10 commandements universels, ça veut dire yo pral bay le contre-pied de sa bon Dieu décidé, et qui est-ce qui comprend contre-pied bon Dieu, c'est seulement Satan, le diable, cela veut dire que ces gens ont pour chef Satan, le diable, parce que yo pas voulu yo commandement qui pour juif d'après yo, yo besoin yo commandement universel. Deutéronome 4 verset 2 dit non, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Oui, ils ont même fait un verset ça, pour l'air, on s'est de égaré, à venir pas là, oui, bagaille, ça, c'est pas rien mal, etc. Vous n'ajouteriez à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, comment? Tel que je vous l'ai prescrit. Qui, Jean? Tel que je vous l'ai prescrit. Comment? Tel que je vous l'ai prescrit. Deutéronome 12, 32, vous observez et vous mettez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Toutes les choses que je vous ordonne. Ou pas de ajouter rien, ou pas de retirer rien, ou de pratiquer les commandements tels que je vous ai prescrit. Frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, ma brédouce encore aujourd'hui à la. Si le Seigneur va décider, mettez-en fin dans ce mouvement vers l'application du dimanche comme jour de repos universel, eh bien, 13 novembre là, il pourra révéler une date fatidique dans la lutte chrétienne pour l'éternité, dans la vie des 144 000 qui pourra le sceller pour lancer le message. Ça t'a dit tout ça, même, semble vent pour lâcher, seulement pour finir, temps probation pour finir,
Le grand temps de détresse, les poils accélérés, entrer dans sa phase persécutoire. Gokose, Zamim, frère, sœur, auditeur et auditrice, téléspectateur et téléspectatrice, ou qui doit passer son jouet, ça n'a pas là, les parents jouet. Non, Zamim, c'est bon jouet, son bagay, sérieux. Et puisque son bagage est sérieux, m'après douce encore. Si, bon Dieu pas intervenu pour le bas bagage, ça a l'autre délai, ce mouvement vers l'application du dimanche, si bon Dieu pas intervenu pour le dire, ok, m'a bas un petit délai encore, le bagage ça pourra le conduire à l'application de la loi du dimanche. Persécution a commencé. Je ne dis pas dit exactement 13 novembre, il y a bien avant, il y a bien après, mais ça même, frère, son gros pas que la papauté a fait dans le cadre de la guérison, de la blessure mortelle. Ma propose qu'on y a Mbralvini avec plus explication de sa conseillère spéciale de l'Institut interreligieux d'Elie qui a fait programme Sinaïa, qui sa conseiller spécial programme ça, dit vraiment, yo vle fait, parce que M. Claire lui-même, dans le document officiel là, il n'y a pas mette, pour tout le monde vini. Hein, pour même Adventiste, il n'y a pas allé. Mais il y a une explication dans un autre document. Ha! Zamim, et toute bagaille convergé vers le repos obligatoire du dimanche. Et au point loin que monsieur dit ça, eh ben, ma prend l'autre pause, ma redonne dans un petit moment. Zamim, Fremsum, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, moi avec aux amis, au pasteur Maurice Jean Rénal, parce que moment sérieux, moment solennel, moment important. Et ça qui m'a demandé pour partager l'information, ça y est, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, Zamim, Fremsum, avec frère, avec sœur, avec Zamim, avec dirigeant, avec pasteur, avec moun qui parlait tant des messages là, moun qui pensait que c'est fait à faire au peuple, en sorte que, alors qu'en réalité, n'a pas eu rôle sentinelle pour nous annoncer, pour nous faire connaître, ben qui ça, qu'a pas passé. Nous sommes dit dans la troisième partie, émission là, que Interfaith, Institut Elijah, Institut interreligieux Elijah, Eli, eh bien, il pourra faire un programme qui aurait les retours au Sinaï, cérémonie de consécration
de repentance climatique. Depuis qu'il y a repentance, ça veut dire au péché. Qui péché au commettre? Eh bien, il y a pas un 10 commandements universels, il y a violé, il y a un principe. Les amis, nous voyons l'autre document qui est publié dans le journal Newsweek, qui est pour titre pour notre péché d'émission, 10 plus 1 commandement pour le climat. 10 plus 1 commandement, cela veut dire 11 commandements. Donc, il y aura un 11e commandement. Ça veut dire, nous devons voir les émissions en jeudi à 11e commandement. Zamim, qui est-ce qui écrit 10 plus 1 commandement pour le climat? Eh bien, l'auteur, c'est Joseph Abramowitz. Joseph Abramowitz, un juif qui servit comme conseiller spécial pour l'initiative, ça, pour le programme, ça, qui c'est opinion, pour le programme, ça, qui c'est retour au Sinaï. C'est la tête pensante, c'est le conseiller spécial. Eh bien, on nous garde, qui ça, monsieur, dit, parce que, il dit pas que bien caché l'ombrite encore. Bagay yo clair zanmim, nèg yo parle à tout bouche yo, yo pa caché rien encore. Même jan de gon gouvernement mondial, yon nouvel ordre mondial, yon identité mondiale, yon monnaie mondiale, de gen un jour de repos mondial, nèg yo pa caché bagay ça encore. An nou gade ki ça, Joseph Abramowitz, qui c'est conseiller spécial programme de cérémonie de repentance climatique qu'a fait dans Sinaï, le mode Sinaï, le 13 novembre 2022 à là, en Ougadé, qui ça monsieur dit. Une étroite bande de terre biblique, de la mer Rouge à la mer Morte, n'est pas seulement le chemin des Israélites pendant l'Exode, mais c'est aussi le lieu de naissance de notre rédemption climatique, mes amis, m'obligez à camper là. Parce que n'a pas l'entendre, ou pas qu'à continuer. Monsieur dit, mon Sinaï, c'est pas seulement pour le peuple Israël là, qui te prend chemin ça, là, il fait exode là, elle a fait exode là. Non, c'est pas seulement ça, mais c'est le lieu de naissance de notre rédemption climatique. Vous savez, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, cette déclaration d'un juif est une attaque à Jésus-Christ, qui est le seul rédempteur. 1 Timothée 2 dit, verset 3-5, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, car il y a un seul Dieu » et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, rédempteur, songez, mettons paix après M dans vos noms, s'il vous plaît. Oui, Zamim, seul monde qui sauveur, seul monde qui rédempteur, nous, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de trois. Ça veut dire, gagnons rédemption qui est faite à la croix du calvaire, en sorte que la rédemption climatique, son profanation, c'est une insulte à la rédemption, au plan de la rédemption conçu par Dieu et appliqué par Jésus-Christ, notre rédempteur. Ou déjà, ouais, bagaille ça, c'est une attaque au chef de l'armée, à Christ lui-même. Mais quand même, en nous continuer dans l'article-là. L'article-là continue pour dire, en novembre prochain, tout dirigeant monde-là, il pourra le réunir à Sharm el-Sheikh en Égypte pour élaborer un autre plan encore climatique. En ouais, reste document. Eh bien, monsieur dit, l'une des idées était de revenir aux 10 commandements donnés au Sinaï. Y en a une idée que vous gagnez. C'est qui ça? Revenir à quoi? Aux 10 commandements. C'est revenir aux 10 commandements donnés à Sinaï.
reconnaître une puissance supérieure. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, respecter le sabbat. Ouais, on parlait de sabbat, mais suivre vos amis, est-ce que c'est vraiment du sabbat? Pour là, yo parler. En aller pour nous. Eh bien, je dis, en Israël, les émissions sont réduites de 30% pendant le sabbat chaque semaine et sont presque nulles. Le Yom Kippour, le jour juif de l'expiation, le plus saint de l'année, un jour de repos hebdomadaire mondial sans carbone, pourrait réduire les émissions de la planète d'un septième et peut être observé par différentes communautés de foi à des jours différents. Vous avez même, monsieur, prend que repos que vous faites en Israël, jour sabbat, eh bien, il réduit l'émission de dioxyde de carbone de 30%. Ça veut dire environ un tiers pendant jour sabbat. Et jour Yom Kippour, c'est le jour de l'expiation, c'est le jour qui pisse pour un an et juif là, eh bien, pas gain émission du tout. Je dis, parti pour exemple ça, eh bien, ils ont besoin d'un jour de repos hebdomadaire mondial sans carbone pour qu'ils permettent qu'ils réduisent l'émission de la planète. Elle est capable d'observer par différentes communautés de foi à des jours différents. Tendez bien. Dès que monsieur t'a parlé de dans Sakteg Sinaïa, revenir aux 10 commandements. Monsieur t'a parlé de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, respecter le sabbat. Eh bien, dans le même document, monsieur montre au clair que lui décide lui-même pour que bon jour de repos, et c'est ça qu'il va le faire à Sinaï, un jour de repos hebdomadaire, c'est même bagala à imiter bon Dieu, mais un jour de repos hebdomadaire, garde l'écriture en bleu, qui est capable à des jours différents, mais cloua. À des jours différents, mais 11e commandement en fait. Mais changement que monsieur décide de faire, Zamim, qui est capable à n'importe quel jour. Est-ce que là, repos sabbat, qui a dit commandement à n'importe quel jour, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est le 7e jour. Jacques 2, verset 10, dit clairement, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout, de tous. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Matthieu 5, verset 18-19. Jésus même a parlé. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Tout un ciel à terre pas passé, eh bien, même un petit point sous tête, yon y, pape sauti dans 10 commandements. Monsieur même, qui saurait, monsieur dit là lui-même, eh bien, monsieur dit lui-même que y'a qu'à observer un jour de repos hebdomadaire mondial à des jours différents. À des jours différents, même là encore, c'est un truc, ce sont les mensonges du diable, parce que y'a même y'a déjà décidé ce dimanche. Pays musulmans, toute l'autre religion déjà d'accord, dimanche. Et yo déjà connaît que yo pas voulu dire yo compte sabbat clair, mais c'était pour juifs, c'est 10 commandements universels, donc yo besoin un jour de repos hebdomadaire universel qui ka n'importe qui joue, mais yo même yo déjà dit yo voulait que c'est dimanche, au bras l'ouest à Zamim, puis devant.
Donc cette question de, ok, ça veut dire n'importe quel jour, gardez qui ça, qui dit dans l'esprit de prophétie, the great controversy, page 53, paragraphe 2, de vastes conciles étaient tenus de temps à autre, dans lesquels les dignitaires de l'Église étaient convoqués du monde entier. Dans presque tous les conseils, le sabbat que Dieu avait institué fut abaissé un peu plus bas. Et bien, là, après. Tandis que le dimanche était exalté en conséquence. C'est ainsi que la fête païenne fut finalement honorée comme une institution divine, tandis que le sabbat biblique était considéré comme une relique du judaïsme. Oui, le sabbat biblique était considéré pour juifs, il paraît universel, et que ses observateurs étaient déclarés maudits. Zamim, frem, sem, auditeur, auditrice, c'est ça qu'a réglé là, oui, frem. C'est ça qu'a réglé la somme. Allons continuer, article là. Lorsque les chefs religieux de toute confession monteront sur le mont Sinaï le 13 novembre dans la COP 27, ils chercheront à toucher le cœur de l'humanité et à délivrer quoi? Un message prophétique. Ça veut dire son message prophétique, 10 commandements universels, un jour de repos mondial. Et il dit ça qui pourrait avec la prophétie. Celle pour nous-mêmes. Avec nous, m'a parlé. Ça va gagner pour la prophétie pour nous. Mais moun kap fè la les douze prophéties. Ben égaré. Le pouvoir du Sinaï a déjà fonctionné une fois pour alimenter des révolutions morales. Ça veut dire, utiliser les 10 commandements, les 11 commandements universels pour une révolution morale. Je dis, il doit fonctionner à nouveau. Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius, d'ici la fin du siècle, nous avons besoin d'un miracle. Mes amis, ça sont juifs, oui, amis. On juif, oui. Amis, frère, monsieur, qui a parlé là, qui s'est conseiller spécial, programme ça, qui pourra le faire à, si au Mont Sinaï, côté bon Dieu, t'es by Moïse sa loi, ils ont même proclamé 11 commandements universels. Ça sont dérespectants, ça sont manqués de gars à bon Dieu. Et offense tellement clair, monsieur dit, ou capable de regarder l'écriture en bleu, à des jours différents. Un jour de repos hebdomadaire mondial, qu'il est à des jours différents. Prophétie a pas compris. Et vous connaissez même ce dimanche, au poil ou puis devant, qui ça a fait. Et c'est pas seulement vous même, gardez qui ça, MSNBC TV dit, Zamim, Frère Sum, c'est même article là, évangélico yo, groupe évangélico, évangélico yo, et bien vous même, vous publiez un document sur un rapport sur changement climatique, et yon mandé pour que gagne yon mandat biblique, yon obligation biblique pour que nous agissions. Même j'en songe, yon te dit vaccine mandate, eh bien, qui ça ça est? Bon, me dit dimanche mandate pour l'État fait obligation selon la Bible pour gagner yon jour de repos universel. Parce que, d'après ABC News, eh bien, plus d'évangéliques concluent que Dieu est vert. Mes amis, Dieu est vert. Oui, Dieu est vert. Zamim, les enseignants protestants dans Duit Controversie, 599.1, les enseignants protestants revendiquent la même autorité divine pour l'observation du dimanche. Avec le même manque de preuves scripturaires que les chefs papistes qui fabriquent des miracles pour remplacer un ordre de Dieu. Mes amis, prophétie, c'est gros cause. Ils disent, ils ont besoin de miracles. Eh bien, miracle, là, c'est protestant qui a fait, mais protestant, ils ont dit, d'accord, pas sur ce truc là, mais ni mes côtés, monsieur dit, nous besoin en rouge, nous avons besoin de miracles. Et puis, mais qui ça, l'esprit de prophétie dit, les enseignants protestants revendiquent la même autorité divine pour l'observation du dimanche, avec le même manque de preuves scripturaires que les chefs papistes qui fabriquaient des
miracle pour remplacer un ordre de Dieu. Eh bien, c'est ça qu'on fait là. Miracle pour remplacer un ordre de Dieu. L'affirmation selon laquelle les jugements de Dieu s'abattent sur les hommes pour avoir violé le sabbat du dimanche sera répété. Yo pral di konya, ça fait des problèmes. Les ovins viennent avec loi universelle. Yo, voyons pour le délâcher. Loi universelle du jour pour du dimanche. Voyons pour le lâcher. Pour aller catastrophe, puis mal, et puis laisse ça, yo pour le dire, c'est parce que bon groupe moun qui yo même yo pas observé sabbat dimanche là, qui cause tout bagay ça yo. On commence déjà à la faire valoir. Et un mouvement visant à imposer l'observation du dimanche gagne rapidement du terrain. Ça veut dire, à partir du 13 novembre, l'observation du dimanche, les poils facultatives, oui, yo poko a bon on loi 13 novembre, mais pour aller loi après, ou du moins, yo poko a fait obligatoire, mais les poils lancer officiellement. Breaking news, dernière nouvelle, le 13 novembre sera lancé un jour officiel de repos climatique pour le monde entier et 11 commandements universels. Où ça? À Sinaï, pour contrecarrer la loi de Dieu, ce mouvement est un mouvement satanique, ce mouvement est une infamie, ce mouvement pas qu'un pasteur religieux, dirigeant, conséquent de ce nom, qui est capable à participer la donne. Songez Nadab et Abihu au désert de Sinaï, ils ont été présentés devant bon Dieu avec un feu étranger, et bien ils ont mouru là même. À cause de la croix, ces hommes peuvent sortir vivants. À cause de la croix, de la chance que bon Dieu bat chaque monde, parce qu'en pile dans monsieur, il n'y a pas connu s'il a accompli le plan du diable, et Dieu, qui est un Dieu de miséricorde et de compassion, certainement, il aura miséricorde d'eux. Mais si il y a l'autre monde qui yo même sénat d'Abéabi, ça veut dire dans la vérité, yo dans la prophétie, yo connaît bagay yo, et al mélanger avec monsieur yo, eh bien, mes amis, bon Dieu qui frappé piel, bon Dieu qui fâché contre yo. Religion, news, service, un groupe évangélique publie un rapport sur le changement climatique et demande instamment un mandat biblique d'action. Un mandat biblique, c'est-à-dire une obligation biblique d'action. C'est l'Association nationale des évangéliques aux États-Unis qui dévoile lundi 29 août un rapport de grande envergure sur le changement climatique mondial. Le rapport s'ouvre sur une question qui insiste sur le fait que la protection de l'environnement est un mandat biblique, son obligation. Oui, ils sont obligations bibliques et l'État doit renforcer obligation ça. Zamim, Fremsum, auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Les nations vont être remuées à leur centre. Tout le monde qui voulait fidèle à bon Dieu, il a pour perdu tout soutien terrestre. Des pères, des mères, des amis, des enfants, pour laguer ou pour trahir. Ce sera le grand S. Et le 13 novembre, c'est le début de l'examen. Le 13 novembre, c'est le début de l'examen. Ou bien, je ne connais pas l'examen préparatoire. Mais le 13 novembre sera lancé un jour de repos mondial. Mais on doit prendre n'importe qui joue. C'est le jour sabbat par la donne. Mais ce n'est pas vrai. C'est le jour dimanche là même. Et ce n'est pas seulement la puissance papale qui pourra le persécuter. La puissance protestante pourra le persécuter. Le faux prophète, le protestantisme apostat
et vos propres frères qui, soi-disant dans l'église, du reste avec. Ils ont déjà commencé à persécuter et les dissidents, les sentinelles que bon Dieu placé pour ce rôle-là. Mes amis, on nous retourne dans le document pour nous voir. Ou comme Galibaï, ça. Honorez la terre-mère. Vous n'avez pas besoin de convoiter. Et plus un, n'abandonnez pas l'espoir ou le combat. Est-ce qu'on a dans le 10 commandements, honorez la terre-mère? Eh bien, honorez la terre-mère, n'abandonnez pas l'espoir ou le combat. C'est 11e commandement. Honorez la terre-mère. Cela veut dire adorer la créature et non le créateur. Alors ce que la Bible mandait, il faut adorer le créateur et non la créature. C'est-à-dire, c'est un mouvement satanique, anti-Dieu, anti-biblique, anti-chrétien, anti-Christ. Honorez la terre. N'abandonnez pas l'espoir ou le combat en honorant la terre. Voici le 11e commandement. L'onzième commandement. Et pour monsieur expliquer bien, honorer la terre-mère, et puis il faut un jour de repos mondial, mes amis, ouvrez-vous, calez-vous, gardez qui ça, Joseph Abramowitz, qui est conseiller spécial du mouvement de retour au Sinaï, cérémonie de repentance climatique pour un jour hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine de repos pour la terre qu'il faut honorer. Gardez qui ça, monsieur, dit mes amis. L'ascension des anciennes dynasties égyptiennes a coïncidé avec la montée du culte de Ra, le dieu soleil. Le dieu soleil. Une nouvelle ère d'énergie renouvelable doit sortir d'Égypte en novembre prochain, où notre civilisation, comme celle des Égyptiens, sera condamnée. Zamim Bakwe Gombagay, qui capicle passé ça. Monsieur dit, même Jean, où te ouais, les dynasties égyptiennes, cela veut dire les royaumes politiques, entre guillemets, éternels. Les pharaons, tout ça, yo, vous comprenez, dynastie, c'est père en fils, dynastie. Et bien, même gens, où ils ont été montés en flèche, leur période de gloire en Égypte, qui était venu dans le même moment, coïncider avec culte qu'on fait pour Ra, le dieu du soleil, et bien, nous-mêmes, tout, une nouvelle ère qui doit sortir dans ce qu'a fait Égypte en novembre blanc, ou bien, civilisation noire a crasé. Ça veut dire, pour que capable de gagner une nouvelle ère, c'est pour nous faire même genre avec en Égypte, adorer le soleil, parce que monsieur dit clairement une nouvelle ère d'énergie renouvelable. Et l'on parle d'énergie renouvelable, il y a une source d'énergie renouvelable là, qui s'appelle solaire, énergie solaire, venue du rayon de soleil, panneau solaire, mais c'est une nouvelle ère d'énergie solaire, donc nous devons adorer, honorer la terre-mère, et faire même avec les Égyptiens, pour que nous soyons capables de monter, pendant que nous avons utilisé énergie solaire, nous n'avons pas ingrat assez, pour nous pas faire le culte de Ra, le dieu du soleil. Qui s'en cause en même, ou besoin, ouais, en plus. Ra. Wikipédia. Re ou Ra est un dieu solaire de la mythologie égyptienne, créateur de l'univers. Le clergé égyptien expliquait que l'astre solaire pouvait revêtir des formes différentes lors de sa course dans le ciel. Khéfri était le soleil levant, tandis que Re ou Ra était le soleil à son zénith. Et automne, le soleil couchant. Le dieu Ré était également fortement associé au jour de l'an égyptien et considéré comme le maître de l'année. Ra est le soleil, le feu
divin. Eh bien, monsieur dit, mais qui est ces Égyptiens qui ont adoré, qui fait que vous avez une dynastie à connaître des moments de gloire. Eh bien, nous-mêmes, nous devons avoir une ère d'énergie renouvelable de soleil. Donc, nous devons adorer le soleil là. Sinon, nous avons condamné. Ça veut dire que ça, retourner en au Sinaï, c'est pas au Sinaï après tout, mais c'est retournant en Égypte, et nous devons verser un matin, côté Mounio dit, mes amis, vous nous sauvez Timounio, vous nous sauvez famille, vous avez mourir, en nous retournant en Égypte, en nous choisissant chef, pour nous retourner en Égypte, d'après Nombre, chapitre 14, verset 2 à 4, que Mbap est en lit pour vous. Donc cette question de retour au Sinaï, c'est pas vraiment un retour au Sinaï, mais même s'il y a les Sinaï, mais ça qu'a fait en Égypte là, c'est lui-même qui a baigné la donne, c'est retour en Égypte. Et nous songez Constantin lui-même, qui cause que tu gagnes jour dimanche comme jour de repos, eh bien, c'est en l'an 321 que monsieur t'a décidé ça, et dans Edia Messaldi, le jour vénérable du soleil, que tous les juges, que les habitants des villes, que les bureaux de toutes sortes se reposent le jour vénérable du soleil. Toutefois, à la campagne, ceux qui cultivent les champs peuvent travailler librement comme ils le veulent. Cet édit de 321, vieux de 17 siècles, ou presque, est la première interdiction légale du travail le dimanche en Occident. Nous ne sommes pas passés du dies soli, jour du soleil, ou Sunday, jour du Seigneur, la religion païenne qui fêtait le dimanche, sol invictus, le soleil invaincu. Ça veut dire, avant que l'église catholique vienne prendre dimanche là, c'est Constantin qui demandait d'abord adorer le soleil. Donc depuis aujourd'hui, adorer le soleil, l'ivre dit, l'ipoil entraîné à l'adoration du dimanche. Maintenant, ça qu'a fait Sinaïa, il n'a pas mis dimanche là après, il a tout collé la veille, il y a un jour hebdomadaire de repos mondial en rejetant le sabbat qui qu'à n'importe quel autre jour. Et nous connaît que Sunday c'est jour du soleil, donc ça veut dire même la loi du dimanche, tout signal lui-même montre nous la loi du dimanche lila zamim frem sem auditeur auditrice téléspectateurs, téléspectatrices, dans Great Controversy, nous lire, on déclarera que les hommes offensent Dieu en violant le sabbat du dimanche. Que ce péché, c'est lui-même qui entraînait des calamités, et calamités, ça n'a pas cessé jusqu'à ce que dimanche l'a observé ou imposé. Zamim, et moun qui pourra parler, défendre le quatrième commandement, yo pourra dire, yo cap détruit respect dimanche là, yo c'est des extrémistes, des perturbateurs, des dissidents, qui empêchaient que bon Dieu sauve yo, qui empêchaient que yo ait prospérité, parce que est abondance la fini. Ainsi, l'accusation portée autrefois contre le serviteur de Dieu sera répétée et sur des bases tout aussi bien établies. Et quand Akab vit Élie lui dit, c'est toi qui troubles Israël. Eh bien, c'est même bagala ou dit pour non, c'est nous-mêmes qui avons troublé Israël. Et nous allons tendre l'embouche faux Élisa. Zamim, c'est gros. L'est arrivé. Pas guetté encore, Zamim. L'est arrivé. Zamim baguette encore moins doux ça oui, l'arrivée Zamim, l'arrivée Frem, l'arrivée Sem, la loi du dimanche est dans nos murs. Ma pour l'autre pause, ma redonne.
Amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, toujours avec vous, votre ami, votre frère, pasteur Maurice Jean Rénal, de Horloge de l'Apocalypse, n'a pas ce dernier coup là, les amis, parce que bagala vraiment compliqué. Le 13 novembre, tous les leaders de toutes les grandes religions du monde, sous l'appel du pape François, se réuniront au mont Sinaï pour lancer 10 commandements universels plus 1. 11e commandement, ça, eh ben, l'éclair, c'est honorer la terre, et on pourra le remplacer, le 4e commandement, par, on dit, n'importe quel jour, pour nous prendre un repos hebdomadaire. Cette fois-ci, c'est pas pour honorer Dieu, non, c'est pour honorer la terre, et c'est pour honorer le soleil, parce que, comme nous sommes les amis, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, le conseiller spécial de ce programme, de cette initiative, eh ben, monsieur Dili, clairement, sans hésitation, pas quoi, amis, n'est-ce que parler comme ça clair, eh bien, monsieur dit clairement, l'ascension des anciennes dynasties égyptiennes coïncidait avec la montée du culte de Ra, le dieu soleil. Donc, c'est ça qu'a pris dans COP26 là. Donc, doit être une nouvelle ère d'énergie renouvelable hein, qui doit sortir qui côté d'Égypte. Cela veut dire du culte de Ra. Qui est sorti en novembre. Donc, cérémonie, ça va le faire au Mont Sinaï. Ce sera un culte au Ra. Ra, accent circonflexe. Le dieu soleil de la mythologie égyptienne. Et, vous connaissez ça déjà, dimanche, c'est qui ça? En anglais, Sunday. Dimanche, c'est le jour du soleil. Zamim, Fremsum. Auditeur, auditrice. Téléspectateurs et téléspectatrices. Dernière nouvelle prophétique. Da quoi c'est pied. Dernière nouvelle prophétique. Breaking news. La COP, le président de la conférence des partis du projet des Nations Unies pour le climat, yo fait sortir logo yo. Et qui ça logo yo? Eh ben, mais publication officielle. La COP27 vient de publier son logo. Regardez bien pour COP27 Presidency. Présidence de COP27. La COP27 vient de publier son logo et la route vers Sharm el-Sheikh en Égypte prend forme et couleur. Le soleil africain embrasse le soleil égyptien d'Aton, donnant naissance à un nouvel horizon. Mes amis, pas un cas clair comme ça. Soleil Afrique là, li remplace, li embrasse soleil Égypte là. Elle bail naissance à un nouveau monde et un nouvel horizon, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Soleil là, africain, c'est lui, c'est président de réunion, mais moi qui publie logo. Il dit logo, ça clair, il va l'embrasser le soleil égyptien. Le soleil africain a embrassé le soleil égyptien d'Aton pour le bail naissance à un nouvel horizon. Il est question que le mouvement pour le changement climatique, c'est un mouvement satanique, c'est un mouvement diabolique, c'est un mouvement démoniaque qui est pouvoir avec l'adoration du soleil. Et COP27, ça, il n'est pas caché ça, il est clair, le soleil africain embrasse le soleil égyptien d'attendre. Pour bailler naissance à un nouvel horizon, cela veut dire, attendons que bon nouvel horizon, une nouvelle ère qui a commencé à partir de COP27, ça. Le soleil africain embrassé
soleil égyptien que aurait les Aton. Zami frèm sèm, lò wè Aton ou gen dwa dit ou Aten. Aten. Également Aton ou Atonu. C'était d'après Wikipédia était au centre de l'athénisme. Le système religieux établi dans l'Égypte ancienne par le pharaon Akhenaton. L'Aton est le dis du soleil et à l'origine un aspect de Ra, le dieu du soleil. Akhenaton fait l'éloge d'Aton en tant que créateur, donneur de vie et esprit nourricier du monde. Gefamine, bah oui, esprit nourricier du monde. Aton n'a pas de mythe ou de famille de création, mais est mentionné dans, etc. Le culte d'Aton, etc., etc. Zamim, ou qu'a dit le soleil d'Aton, ou bien d'Aten, ou bien d'Atonu. C'était le centre de l'athénisme. L'athénisme était le système religieux établi en Égypte. Donc, lorsque M. Diwa, le président de COP27, le soleil africain embrasse le soleil égyptien d'Aton, eh bien, il dit, il embrasse le système religieux de l'Égypte, et c'est ça, lui-même, il vient faire là. D'après Egypt Today, oui, Egypt Today, qui était sorti 12 mai à là, regardez bien, Zamim, le logo mêle les identités culturelles africaines et égyptiennes. Il représente le soleil africain embrassant le soleil d'Aton, dont les rayons brillent sur un nouvel horizon, a annoncé le ministère égyptien dans un communiqué mercredi. Aton est un dieu de soleil vénéré à l'époque du roi pharaonique Akhenaton, d'après Égypte Today. On nous continue pour nous voir. Toujours d'après Égypte Today, en Babylonie et en Assyrie, le soleil était adoré sous les noms de Bel et Shamash. En Égypte, sous le nom de Ra, Osiris, Aton. Et en Phénicie et dans le pays de Canaan, sous les noms de Baal ou bien Moloch. Et en Syrie, sur les noms étaient Tammuz et Elégabalus. Eh bien, ils ont tiré ça dans le livre The Empire of the Bible, From the Confusion of Tongues to the Babylonian Captivity. Page 42.1 à Egypt Today dit en Babylonie et en Assyrie, eh bien, soleil a été adoré sous plusieurs noms, et en Égypte et en Canaan et en Syrie, différents noms, les capables Aton, les capables Ra, les capables Osiris, les Baal, les Moloch, les Tammuz, yo, tout ce qui ça c'est soleil. Eh bien, Egypt Today dit que le programme qui va se faire là-bas, c'est un culte au soleil, à Tammuz. Mes amis, c'est l'application, c'est l'accomplissement encore de Ézéchiel 8, verset 14, qui te dit, à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est encore le dieu soleil. Des femmes étaient qui? Des églises qui pleuraient Tammuz. Tammuz, c'est l'accomplissement de prophétie. Tammuz, du Mésien sumérien, de la région mésopotamienne, dieu de la fertilité, incarnant les pouvoirs de la nouvelle vie, de la nature au printemps. Et en Syrie, c'était encore le dieu soleil. Donc voici des femmes dans abomination, yo, des femmes à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, à l'entrée du mont Sinaï, côté l'Éternel, t'es un lieu de rencontre avec bon Dieu, avec Moïse, des femmes, c'est-à-dire des églises, qui a pleuré Tammuz. Le dieu soleil, l'adoration du dimanche, parce que dans toutes ces contrées-là, on adorait le soleil. Quel jour? Le jour du dimanche. Mes amis, même document ça, nous sommes d'où là, l'écrit,
Dans sa forme et son expression extérieure, l'idolâtrie des nations, ce culte de la nature, a toujours et partout eu pour cendre le soleil. Il est presque impossible de trouver dans l'histoire du monde une forme d'idolâtrie qui ne soit pas liée au culte du soleil. Et dans presque toutes les nations, le culte du soleil a été le culte principal, de sorte qu'il peut être décrit comme le culte universel. Monsieur Omandé dans Sinaï, yon jour mondial universel, dit commandement universel, pour yon adorer Ra et le soleil, c'est un culte universel. Qu'on y a noté les femmes, les églises, Ézéchiel 8 encore à pas appliquer, Ézéchiel 8 verset 16, qui s'allie dit, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, ils se prosternaient à l'Orient, devant le soleil. C'est ce qui se fait en Israël, c'est ce qui se fera le 13 novembre, c'est ce qui se fera dans le monde protestant, et c'est ce qui se fera aussi dans l'église d'Urès lorsque le test va bail côté poilgué le criblage dans l'église d'Urès, le test du soleil, le test de l'énergie renouvelable, le test de Ra, le test de Damus, le test de dimanche comme jour de repos mondial pour honorer la terre comme 11e commandement. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames, mesdames et messieurs, drôle de coïncidence, dans la lutte pour le changement climatique, ils ont dû utiliser énergie solaire, utiliser panneaux solaires, tout vient du soleil. Gain raison pour les hommes adorer soleil, parce que c'est soleil qui a retiré dans grand goût, c'est soleil qui a retiré dans blackout, c'est soleil qui a retiré dans crise énergétique là, c'est ça que fait. Pas de voiture le jour du dimanche dans les grandes villes. C'est pourquoi ces hommes y ont à Sinaï un jour de dimanche, le 13 novembre. C'est ça que fait Omandé pour adorer le Dieu soleil. Et vous mettez de côté le sabbat de l'Éternel. Dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle prophétique, ça pire de là. Eh bien, monsieur, vous avez un propre bibliosamim de Gwyn, Bible, Éco-Bible, la Bible climatique. Oh, la Bible dit dans Jérémie 19, verset 4. Oui, Jérémie 19, verset 4. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissent ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Jérémie 19, verset 4 va s'accomplir à Sinaï le 13 novembre. Ces hommes sont venus avec leur Bible et auraient l'écho Bible. Zamim, c'est l'accomplissement de Apocalypse 11, versets 7 à 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, gardez bien le 8e mois, oui, c'est la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome, Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Ou est-ce qu'il dit c'est là que le Seigneur a été crucifié, Sodome ou bien Égypte, ou déjà ouais, son langage symbolique et prophétique, parce que c'est pas en Égypte l'Éternel crucifié, et Jésus est crucifié, mais avec cette cérémonie qui va se faire en Égypte, ce sera la crucifixion de Christ, mes amis, frères et sœurs bien-aimés. Ce passage d'Apocalypse 11, versets 7 et 8, et mais l'y appliquer au moment de côté où t'as éliminé Biblio, les deux grands témoins, oui, les deux témoins de l'Éternel, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, les où t'as chiré la Bible, ça t'est accompli au moment de la Révolution française, et ça que t'es fait déjà, mais la fête encore, y'a qui doit pas prendre Bible, et puis y'a chiré le, j'ai eu qu'on fait, ou bouler le, j'ai eu qu'on fait, mais on est en train de brûler la Bible, on est en train de remplacer les 10 commandements, on est en train de remplacer le jour du sabbat. On est en train d'aller à Sinaï pour proclamer le culte au soleil, pour que les gens soient capables de dire encore retournons en Égypte. La Bible verte est destinée, d'après les auteurs, à équiper et encourager, à voir la vision de Dieu pour la création et les aider à s'engager dans le travail de guérison et de maintien de la terre. Tous les passages dans The Green Bible, dans Ecobib, tous les passages
passage mentionne l'environnement, sont imprimés à l'encre verte. Les dirigeants les plus importants d'aujourd'hui, à travers le spectre œcuménique, y ont contribué avec une introduction de l'archevêque Desmond Tutu et des essais de plusieurs autres auteurs, tels que le pape Jean-Paul II. La Bible écologique, eh bien, pape Jean-Paul II, l'y rentrer la donne. Zamim, c'est pour dire, c'est un mouvement papal. Ces hommes n'ont pas Dieu pour maître. Ils ont le pape pour maître. Ils ont le dragon. Ils ont la bête. Zacharie 10, verset 3 dit non. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtirai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. Oui, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Oui, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ces gens qui sont dans l'œcuménisme. Et mes côtés, œcuménisme l'emmène-nous. Mes côtés, participer dans la fédération protestante, mène-nous à Sinaï, mais vraiment en Égypte pour l'adoration du Dieu du soleil. Mais yo prend nous, yo mettez nous dans mitan yo, yo prend pose, yo ban nous valeur pour yo traîner nous dans adoration soleil, dans adoration jour dimanche. Nous pour comment nous pour retirer pied nous, n'a pas retirer pied nous parce que yo pour dire nous peur persécution, nous peur pour yo pas. Oui, nous pour des problèmes, mais la colère de l'Éternel s'est enflammée contre les pasteurs. Oui, contre ces boucs. Et mais la Bible et les pasteurs ça yo qui dans l'écuménisme, il y aurait des boucs pasteurs, des pasteurs boucs cabrita. Parce que l'Éternel des armées l'a visité troupeau. Non, le ça, l'Éternel des armées l'a visité son peuple, l'a visité son troupeau, l'a choisi les 144 000. Oh, l'Éternel pourra le faire des 144 000. Son cheval de bataille, son cheval de gloire dans la bataille, béni soit l'Éternel. Abgemoun qui campait, et ça qu'est Zamima, frère Sum, auditeur, auditrice, moi, oui, review général, 7 juin 1887, paragraphe 13. Préparez-vous, je vous en conjure, préparez-vous avant qu'il ne soit jamais trop tard. Les ministres de la vengeance déverseront tous les terribles jugements sur un peuple abandonné de Dieu. Le chemin de l'obéissance est le seul chemin de la vie. Que le Seigneur vous aide à le voir à temps pour ouvrir vos oreilles afin que vous puissiez entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Préparez-vous avant que l'il trop tard jamais. L'elle trop tard, pas gain on fenêtre cap l'ouvrir encore. L'ap trop tard à jamais. Les ministres de la vengeance pourraient déverser sur la terre de terribles jugements parce que n'est-ce pas aller trop loin pour y aller au Sinaï, ce lieu symbolique qui symbolise la présence de Dieu, pour y aller faire promotion pour un jour de repos différent du jour du sabbat. Pour y venir avec 10 commandements universels parce que les 10 commandements c'était pour juifs. Et pour y demander, pour suivre l'exemple d'Égypte, pour adorer le soleil. Zamim, le chemin de l'obéissance est le seul chemin de la vie. Que le Seigneur vous aide. Pour ouvrir les oreilles, ou dit la servante du Seigneur. Pour tendre qui ça l'Esprit dit aux églises. Parce que Pagan, ben, il caché l'ombre encore. Mes amis, juste répéter l'expression, même qu'on a tout détaillé de lui. Pagan serré encore. Pagan caché, même voyez watch encore. Monsieur Auclair, le 13 novembre, il pourra proclamer les 11 commandements. Il pourra remplacer les 10 commandements par 11 commandements universels. Et question repos juif là, c'est pas repos juif encore, c'est repos de la terre qui doit être universel et qui doit être lié au culte égyptien. Parce que c'est soleil là qui pourra le bon nous énergie, qui pourra le bon nous courant, qui pourra le résoudre tout problème. Yo. Qui ça nous dit encore, amis? Dieu a permis que ces choses soient révélées. Que ces événements soient produits pour mettre son sceau d'approbation sur le ministère de toutes les sentinelles à travers la terre, qui malgré mépris, malgré persécution, malgré accusation, malgré au bas au nom de dissidents,
camper pour y'a dit Jésus va revenir. Les signes des temps sont en train de s'accomplir. Que la marque de la bête est sur nos routes. Que c'est l'heure pour vivre à la campagne. Pour remporter victoire sous caractère par la grâce de Jésus-Christ. Et pour préparer pour le temps à venir. Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, toutes les carottes sont cuites. Satan a montré qu'il devait y aller. Pape a montré qu'il devait y aller avec le cubénisme. Les leaders religieux évangéliques ont montré qu'il devait y aller. Tout a un seul objectif, l'adoration du soleil. Qu'il est, ils ont adoré le soleil dans tous les pays le jour du dimanche. Ézéchiel 8 accompli, jeudi. 13 novembre 2022, lancement officiel de 10 commandements universels pour contrecarrer les 10 commandements de Dieu avec un 11e commandement, honorer la terre et reposer n'importe quel autre jour en adorant le soleil qui est le jour du dimanche. Si vous ne prenez pas une décision qu'on y a, la trop tabou. Moins doux ça, oui. C'est moins doux ça. Si vous ne prenez pas une décision qu'on y a, la trop tabou. Moins doux ça. Soit fait. Qui soit fait? Qui soit fait? La trop tabou. Moins doux la trop tabou. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Acceptez les commandements de Dieu. Le sabbat de l'Éternel. Et vive pour plaire au Seigneur. Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que bon Dieu bénisse. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous bénissons pour ce qu'on fait pour nous, pour grâce dans la vie. Nous demandons à aider nous, pour nous préparer, nous, pour nous prêts. Utilisez-nous pour service. Bénis chaque auditeur, auditrice, téléspectateur et téléspectatrice. Et permettez que nous tous, nous sommes capables de camper de jambes. Les tests ont commencé. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, c'était avec plaisir, amis ou frères, pasteur Maurice Jean Rénal, à nous ensemble pour que nous soyons capables d'étudier les événements courants, la prophétie biblique et où est côté nous y est dans la chronologie prophétique là. L'heure arrivée. Carotte yo cuite. It's over. It's done. Deal done. La loi du dimanche est dans nos murs. Et si bon Dieu, pas camper mouvement ça là, pas mettons un ralentissement, même si monsieur fait le ralenti bagaille là, eh ben nous sommes à un temps très court de la loi du dimanche. C'était pour vous servir, votre ami, votre frère, votre fidèle compagnon de prière, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité, pasteur Maurice Jean Rénal, Cap Diou, KBFM, Palagé. Bye bye.